Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette édition du Minimac de l'Acheteur. Et pour clôturer en beauté, eh bien, je suis avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. On va commencer votre commode du jour par le sucre. Alors vous m'avez mis numéro 11, moi ça je comprends pas, mais donc en tout cas c'est le sucre. Toujours est-il que selon la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies dédiée à l'agroalimentaire et à l'alimentation, eh bien le prix des produits alimentaires et du sucre notamment a baissé en janvier. Est-ce que ça se voit techniquement ? Pour moi, pas vraiment. En tout cas, graphiquement, c'est pas du tout ce que j'ai dans mes prix. Le prix du sucre, en fait, depuis 2020, il a fait plus que doubler, tout simplement. Les cours suivent une très belle tendance haussière, assez construite. Alors, ils ont marqué, on va dire, une longue phase de pause, hein, elle a pris quasiment un an entre juillet 2021 et juillet 2022. Cette pause était très faible en amplitude et donc mécaniquement elle a duré assez longtemps. On a effectivement deux façons de corriger une tendance haussière, soit c'est rapide et plutôt profond, assez violent, soit c'est pas très profond mais ça prend beaucoup plus de temps tout simplement. C'est ce qui s'est passé et c'est visible sur ce graphique par l'intermédiaire de ce canal descendant dont les cours sont sortis par le haut en début d'année. Donc signal haussier. Un mouvement qui se développe assez gentiment, tranquillement, il n'y a pas d'excès, c'est assez bien construit. Les précédents sommets comme 2051 deviennent à leur tour support, en témoigne la petite mèche basse réalisée sur la bougie de la semaine. On a donc un mouvement qui peut se poursuivre à un rythme pas forcément important, mais en tout cas qui peut durer longtemps. Les prochaines résistances, elles datent de 2012, elles sont à 24, puis 26, 28. On a encore du potentiel, on n'a aucun signe de faiblesse, le sucre va continuer à grimper dans les mois à venir.